Asubuhi ya leo tunawasalimu nini yote mjina ya Bwana wetu Yesu Kristo. Tunawasalimu wote mjina ya Bwana wetu Yesu Kristo. Tunapashwa na furaha juu ya kuwa mpresence ya Mungu. Je Mungu njo eko netusaidia. C'est Dieu qui nous aide. Na yote kunafika ni juu ya kuzuri yetu. Et tout concourt à notre bien. Mbele ya kwanja yote. Avant de tout commencer. Kama uko bageni beo katikati yetu wanaweza kushimama. Il y a des visiteurs parmi nous, ils peuvent se tenir debout. Yeye ni ndugu Benjamin. C'est le frère Benjamin. Mwisha Mwangonge. Mwisha Mwangonge. Ni ndugu wa makutano ya Mwadingusha. Il est le frère de l'assemblée de Mwadingusha. Et ni kwa kutulamkia. Il est venu nous saluer. Na ukilio ukolwezi. Et ode ya kolwezi. Eti mnampokelea nini wote mjina ya Bwana wetu Yesu Kristo. Nous avons écouté le rapport de l'école de dimanche. Nous avons écouté le rapport de l'école de dimanche. Nous avons écouté le rapport de l'école de dimanche. C'est le rapport de l'école de dimanche. Le 9 mai. 9 mai. 2024. 9 juin 2024. Nous sommes à Éphèse. Tu peux pas consommer Éphèse. On devrait lire le livre d'Éphèse. Ça, c'est sa ville à beaucoup et monde. Comme il y avait coupure. Alors, ni Benda, ni Rudy et Molé, Malimo, écoute de dimanche et à Jumajana. J'ai réitéré l'écriture passée. Et j'ai demandé aux enfants. Ils ont bien retenu. Ici, le nombre de garçons, il y a 38. Le garçon était au nombre de 38. Fille, il y a 42. Et les filles étaient au nombre de 42. Total 80. Ce qui a fait un total de 80. Bible, moi, nous n'avons qu'une seule Bible. Offrande 12 000 francs congolais. Et l'offrande était de 12 000 francs congolais. Moi, mon ami, le moniteur, c'était bien moi, frère Mahamba. Que Dieu vous bénisse. Mungu emibariki. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ta soma marekete. Nous avons lu le requête. Da Domitila. La sœur Domitila. Anapikia Mungu akisante kabisa. Merci grandement Dieu. Juu ya bizuri na bibaya biote eko na traversé. Pour le haut les bas qu'elle traverse. Asema jina la Mungu wetu ipate kusifiwa sana. Que le nom de Dieu soit grandement loué. Anaomba maombi kanisa. Et sollicite la prière à l'église. Juu Mungu apate kusoutenir kanisa yake. Pour que Dieu soutienne son église. Muma gumu yote inaweza kupita. Dans les difficultés qu'elle peut traverser. Da frère de Kaba. Le frère de Kaba. Anapikia Mungu akisante kabisa. Merci. Babilele mwa système kwenda na kurudia kolwezi. Asema jina la Mungu wetu isifiwe sana. Da Jenny. La sœur Jenny. Anapitia Mungu akisante kabisa. Merci grandement Dieu. Babilele Mungu alimtunza da Suzanne. Que Dieu a guéri la sœur Suzanne. Asema jina la Mungu wetu isifiwe sana. Que le nom de Dieu soit grandement loué. Da Mathilde. La sœur Mathilde. Anapitia Mungu akisante kabisa. Merci grandement Dieu. Kwa kuchunga kanisa ya Mungu. Kwa garder l'église de Dieu. Na sisi wote. Et tous ensemble. Asema jina la Mungu isifiwe sana. Que le nom de Dieu soit grandement loué. Anaomba maombi kanisa. Elle demande prière à l'église. Juu ya bankana yake. Juu ya batoto yake banamke bawili. De ces défis qui sont souffrants. Et que Dieu puisse
Na ekuna itachi ya upeke. Et là encore une requête personnelle. Kamukumbuka nanya malombi njwa itachi ya upeke. La Suzanne, la Jeanne Kayom, la sœur Jeanne Kayom, à la pitié mon bac sans décapissa, Mathieu, Kwakuchunga Kanisa Yake, d'avoir gardé son église, Nawakutunza Bankanake Bawili, et d'avoir guéri ses deux petits-fils, Aseva China la Mungu et tout, ici Pioué Sana, et les noms de la vie sont trop mal loués, la Suzanne, la sœur Suzanne, à la pitié accent décapissa, Kanisa, elle remercie grandement l'église pour la maombi yen pour la prière. Nakisha yake anapitia Mungu asante. En outre, elle remercie Dieu. Kwa vile mchunga msafari ya kwenda na kurudia Kumbashi. Bila kuagaza kwa sababu ya safari tuko kwa vitu. Na séjour ile ilifanya Kumbashi. Et même pendant les séjours qu'elle effectue à Kumbashi. Na kwa kumtunza kwa magonjwa alikuwa nayo. Et en la guérison de la maladie dont elle souffrait. Na kumpatia souffle de vie. Et pour le souffle de vie. Na kwa vizuri vyote ekunafanya ndani ya maisha yake. Et pour le haut fait que Dieu réalise. Na sema jina la Mungu wetu isifiwe sana. Que Dieu soit grandement loué. Ekona na wimbo ya kuimba pamoja na chorale. Et la cantique à exécuter avec la chorale. Numéro 13 en Swahili. Numéro 13 en Swahili. Da Elisabeth. La sœur Elisabeth. Anabitia Mungu asante kabisa. Remercie grandement Dieu. Kwa vile Meluweza kulibere mkubwa yake mprison. Fait que Dieu assiste à ce qu'on puisse libérer son frère en prison. Asema jina la Mungu wetu isifiwe sana. Et le nom de Dieu soit grandement loué. Anabikia tena Mungu asante kabisa. Remercie encore Dieu grandement. Kwa kutunza watoto yake. D'avoir guéri ses enfants. Na anasema jina la Mungu isifiwe sana. Et que le nom de Dieu soit grandement loué. Na kisha yake ekuna hitaji ya upeke. Encore il a une requête personnelle. Mungu emibariki sana. Que Dieu puisse vous bénir grandement. Mbele ya kwanja yote. Avant de tout commencer. Da Suzana taimba wimbo 13 Swahili pamoja na chorale. La sœur Suzana va chanter le cantique 13 Swahili ensemble avec la chorale. Na kisha tutasoma neno. Après nous allons passer à la lecture de la parole. Na tutaomba shiboti. Et nous allons tous prier. Thank you.
ni ndani ya Yesu Kristo. Yesu Kristo ndio msingi wa kanisa. Yesu Kristo est la fondation de l'église. Yeye ndio anaanza kutuma manabii. C'est lui qui envoie les prophètes. Yeye anaanza kutuma wahubiri wa kuachana chana. C'est lui qui envoie les prophètes. Ni paka yeye ndio atarudia kwa kubeba kanisa. Matumaini ya kanisa ni ndani ya Yesu Kristo. Na Yesu Kristo ni Biblia. Biblia inasema, Biblia inasema Yesu Kristo yuko sawa sawa jana, leo na hata milele. Katika mwanzo ilikuwa neno, na neno ilikuwa pamoja na Mungu. Mungu neno ilijifanya kuwa mwili ya mtu, na jina la ile neno ni Yesu Kristo. Mungu imebariki sana. Tutasoma neno la mtashimu, tutasoma neno la Mungu. Deuxième Timothée chapitre 4. Tutaanza pale kisha yake tutashuka msisi na kufika mwite. Nous avons commencé au premier verset, nous lirons le 6. Ni Paul eko na kankamisha Timothée. C'est Paul qui fortifie Timothée. Ni Paul eko na kankamisha Timothée. C'est Paul qui fortifie Timothée. Mbele ya Paul kufa. Avant la mort de Paul. Eranza kankamisha Timothée hivi. Il fortifie Timothée de cette manière. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion. Favorable ou non, il est astaïli, ataïla astaïli, reprend, corrige, censure, québère, exhorte, onya, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Mais ayant la dame démangeaison d'entendre les choses agréables, il se donnera une foule de docteurs selon leur propre désir. Verset 6. Le 6ème verset. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ est proche. Le moment de mon départ est proche. Ni Paul et mon ange Timothée. C'est Paul qui parle à Timothée. Minaza pourquoi ça, ça? Ma mort est proche. Alors Minaza Kwenda. Je compte partir. J'ai combattu le bon combat. Il est combat dans le bon du mon père. J'ai achevé la course. Il est ça, Mbioyabu. J'ai gardé la foi. Il est Tunga Imani. J'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui ont aimé son avènement. Mungu abariki neno tunasoma. Amen. Taomba Mungu shibote. Amen.
Mungu wetu patie disposition mzuri ya kushikia neno lake. Afin que nous donnions une bonne disposition pour écouter sa parole. Kama siyo damu yangu mwana, kama siyo. Kama siyo damu yangu. Sana. Te remercions pour ça. Voyons tes chinelas.
tuer Milena Tabilene. Vous l'êtes disposition pour la chasse à votre corps. Vous êtes disposition pour la chasse à votre corps. Vous êtes disposition pour la chasse à votre corps. Vous êtes disposition pour la chasse à votre corps. Vous êtes disposition pour la chasse à votre corps. Vous Nous allons adorer. Nous allons adorer notre Dieu avec joie. Nakishaeke tashikia neno ma pasteur. Et après, nous allons écouter la parole. Dieu vous bénisse encore. Amen.
379. 379. Collection des cantiques. Thank you.
Nous avons perdu notre bien-aimé frère Franck et Walt. On a perdu chaque plus de deux fois notre Walt et Franck. Pour la préparation de l'église de l'épouse de Christ. En rapport avec l'enlèvement, Dieu avait envoyé le prophète Branham et puis il l'a retiré de la scène après le travail d'emmagasinement. Oui, Dieu avait suscité notre frère Franck pour continuer l'œuvre. Dieu a continué à la case. Distribuer la nourriture qui était emmagasinée. Aujourd'hui, cet homme de Dieu que nous avions l'habitude de suivre chaque dimanche, chaque. Il est mort. Nous avons eu la nouvelle hier. Maintenant, il y a beaucoup de spéculations. Beaucoup. Il y en a même qui ont déclaré qu'ils sont découragés. Beaucoup de spéculations. Les gens disaient, avant que le frère Franck ne meure, les gens disaient que le frère Franck n'allait pas mourir avant le retour de Christ. C'est ce qui était connu de tout le monde. Mais Dieu a prouvé le contraire. Amen. Il est mort. Amen. Avant le retour de Christ. Je vous dis que notre Dieu est souverain. Amen. Il est souverain. Alors, il y a un frère. J'ai eu l'occasion de prendre une vidéo d'un frère qui avait posé la question à frère Franck. Il dit, les gens disent que tu ne vas pas mourir avant le retour de Christ. Frère Franck a répondu, je vous prie de suivre cette image. Que le Seigneur va nous trouver en train de travailler.
Pourrait être la dernière année. Il n'aurait pas pu avoir la vie, pourrait être
Je vais vous préparer une place.
place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Voilà, je reviendrai. Seconde venue. Et je vous prendrai avec moi. Avec là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Amen. Et nous mettons nous continuons la lecture avec 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Verset 15 à 17. Nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme des autres qui n'ont point d'espérance. Bon, on peut sauter à... Et je dis 15 à 17. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'enlèvement. L'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Lui-même et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, l'enlèvement que nous prêchons se trouve dans la Bible. C'est écrit ici. Nous serons enlevés. Donc Jésus vient pour la seconde fois pour nous prendre, pour prendre les sœurs et les frères. Il va prendre ceux qui sont ici. L'enlèvement se fera ici, pas ailleurs. Amen. Donc les gens qui seront enlevés sont des gens qui sont ici. Les gens qui croient au message du temps de la fin. Alors, on a deux qui seront dans un lit. L'un sera pris. L'autre laissé. Celui qui sera pris, c'est celui qui croit sincèrement à ce message. Pas à l'évangile seulement. Au message. Pour aller à l'enlèvement, il faut croire à ces messages. Le croyez-vous? Amen. L'un sera pris, l'autre laissé. Celui qui sera un pied dedans, un pied dehors sera laissé. Pendant cette seconde venue, parce qu'il est venu pour la première fois, il est descendu jusqu'à,
jusqu'ici sur terre. Il a marché. Il a mangé avec les gens. Il a dormi. Il est monté au calvaire. Il est mort. Maintenant, quand il vient pour la seconde fois, il ne va pas descendre sur cette terre. Il va rester dans les airs. Il descend du ciel jusque dans les airs. C'est nous maintenant, l'épouse, qui allons monter dans les airs pour les rencontrer. Amen. Donc la seconde venue, Jésus ne descend pas sur terre. Il s'arrête dans les airs et nous le suivons là-bas. La pesanteur va lâcher. Parce que maintenant, si vous essayez de sauter, il y a une force qu'on appelle pesanteur qui vous retient. Mais ces jours-là, cette force sera brisée. Nous allons monter pour retrouver notre Seigneur dans les airs. Alors, ceux qui disent qu'ils sont déjà, Jésus est déjà venu. Non, ils ont déjà raté dans des fois. Parce que pour nous, quand nous serons enlevés, on va monter. On sera dans les airs. Et avant que l'épouse n'aille dans les airs, à la rencontre du Seigneur, les morts en Christ, pas tous les morts, ceux qui meurent, ils vrognent, les féticheurs, tout ça, il ne faut pas ressusciter. Ceux qui vont ressusciter, ce sont les morts en Christ. Les gens qui sont morts dans la parole, ils sont morts en Christ. Ils vont d'abord ressusciter avant de monter. Les vivants, ceux qui seront vivants à ce jour, eux, ils seront changés. Les corps vont changer. Les vieux vont redevenir jeunes. Ceux qui sont dans les hôpitaux, malades, complètement guéris, la maladie va disparaître. Les infirmes vont se lever. Sera terrible. Les corps vont changer. Donc nous tous, nous serons des jeunes. Jeunesse éternelle. Amen. Donc c'est ça les retours. Ce que nous nous attendons. Les jours du l'enlèvement. Jésus quitte le ciel. Il s'arrête dans les airs. Ici, sur la terre, les tombeaux vont s'ouvrir. Les tombeaux de ceux qui étaient morts en Christ, ça va s'ouvrir et les gens vont ressusciter. Amen. Les vivants, ils vont jubiler parce qu'ils vont, ils seront changés. La vieillesse disparaît. Amen. Les infirmités terminées. Maladie terminée. Et les deux groupes là, ceux qui seront ressuscités et ceux qui seront changés, ils vont monter dans la mer. On n'aura pas le temps de se demander où est le frère tel. Non, non. Chacun pour soi. C'est quelqu'un d'être sérieux maintenant. Maintenant, je voudrais un peu aller dans le même sens que mon frère Guimari. Je ne sais pas si vous l'avez suivi. Il insiste un peu beaucoup sur. Comment est-ce que je peux dire? Quand Jésus montait là, les disciples étaient en train de lui fixer les regards.
un ange vient et dit, tel que vous les voyez monter physiquement, quand il montait, c'était inoué. C'était Jésus physiquement. Un homme qui montait là. Forme physique. L'ange a dit, tel que vous les voyez monter physiquement, c'est comme ça qu'il va revenir. Maintenant aujourd'hui, il y a une doctrine qui dit que Jésus est déjà venu depuis le 28 février 1963. Quand on dit qu'il est venu sous forme de nuée. Alléluia, oui. Frère, projetez un peu cette image de cette nuée. Pour que les gens voient. Quand on parle de nuée, c'est quoi? Voilà. Le frère Branham, le prophète était à Sabino Kani. C'est là où c'est nuée venu de rencontrer. Alors, les gens disent que. Les gens disent que c'est Jésus qui est venu. Et cette date, tous ceux qui croient à cette doctrine, ils sont frères, c'est lamentable. Le 28 février de chaque année, ils font un défilé. Avant des drapeaux. Retour de Christ. Pour eux, Christ est déjà venu pour cette date. Il a déjà entendu. C'est peu de gens seulement. Il y a une doctrine comme ça. Ils peuvent vous convaincre. Ils ne sont pas bien assis. Bon, maintenant, à part la déclaration de l'ange là. Nous ajoutons la prédication, la semence du serpent du 28 septembre 58. Paragraphe 325. Ok. Voilà. Nous croyons à la seconde venue de Christ. Pour nous dire papier, Christ. Les visibles. Le corps physique du Seigneur. Pas l'esprit. Attends par l'eau. Même les corps physiques du Seigneur. Jésus qui revient à moi. Croyez-vous à ça? Il vient physiquement. Pas à l'esprit. Remettez la photo là des nuées. Et non, on va lire encore quelque chose de très important. Et ça, avec ça, Naïm, tout doute c'est enlevé. C'est la prédication. Naïm, quelle est cette prédication sur la montagne? Du 25 juillet 1965. Du 25 juillet 1965. Paragraphe 5. Voilà. Mais là, ici, ça. Le frère Franck, Doute Franck est en train de saluer. Tout en confiance. Suivez-moi. Nous voyons nos salutations de la côte est à la côte ouest. À tous nos amis en Christ qui
toujours à l'écoute. Nous envoyons nos salutations à Sam José, à Frère Baudet, au groupe qui est là. Nous envoyons nos salutations là-bas dans les montagnes, à Prescott, en Arizona. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez à moi. Et croyez à Dieu, croyez à moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela ne vous, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je veux préparer une place. Donc nous avons des places au ciel. Nous avons des maisons. Nous avons chanté ça au début. Lorsque je m'en irai, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Amen. Philippiens 3, verset 20. Philippiens 3, verset 20.
L'enfer sera la perdition. Ils ont bougé leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils pensent qu'à eux, ils pensent aux choses de la terre. Mais, écoutez, notre cité à nous, et dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Seigneur, comme Sauveur et Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. N'oubliez pas, mes chers frères et sœurs, que chez nous, c'est au ciel. Chez nous, c'est au ciel. La Bible dit dans le livre de Pierre, et c'est sur terre, nous sommes des voyageurs et nous sommes des étrangers. Comportez-vous bien parmi les païens. Vous n'êtes pas de la terre, mais vous êtes du ciel. Chez vous, c'est au ciel. Amen. Maintenant, mes chers frères et sœurs, pour ce qui est de la venue de Christ, personne ne connaît ni l'heure, ni le jour. Mais les signes nous indiquent que le retour de Christ est proche. Parmi le signe, il y a d'abord Matthieu. Je n'en parle pas à la taille. Matthieu 24, verset 5, là. Matthieu, je m'en prie. L'évangile sera prêché dans le monde entier. Et ensuite, viendra la fin. Cet évangile qui devait être prêché dans le monde entier, c'est le message du temps de la fin. Ce message a été prêché partout dans le monde entier. Et on a dit, après ça, c'est la fin. C'est un grand signe. L'évangile a été jusqu'à Zilo. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est un signe, mes chers frères. Côté Israël, les événements sont suivis chaque jour. Le frère Justin, il est là, le frère Justin. Des travaux du temple. Il a vu, t'as vu les temples là, hein? Il a vu la télévision, temple de Jérusalem, tout ça. Donc, regardez ce qui se passe en Israël. Regardez au roi du Nord. Vous connaissez le roi du Nord? C'est la Russie. La Russie. Elle est dans la prophétie biblique. Les gens, quand on dit des guerres, il y aura des guerres. Il y a des petites guerres. Mais présentement, il y a une grande guerre. Côté Russie. La Russie est dans la prophétie biblique. Le frère Branham avait vu cette vision. Cette vision. Les trois visions. Il y avait les trois ismes. On devait fabriquer une voiture, des voitures en forme d'œuf. Les femmes devaient quitter leur position.
pour chercher l'égalité avec les hommes. Si nous appelons aujourd'hui parité, c'était prédit par le prophète Branham. Il y a alors, parmi les sept visions, toutes sont déjà accomplies, sauf une seule. Le véhicule en forme d'œuf, c'est déjà sorti. C'est déjà sorti. Il y avait trois ismes. Communisme. Nazisme. Et pas encore. Fascisme. Branham a dit que tous ces ismes-là devaient se fusionner dans un isme. Communisme. Fascisme est tombé. Fascisme est quoi encore? Nazisme. Nazisme. Nazisme, c'était avec Hitler. Fascisme, c'était avec Mussolini. Fascisme, c'était avec Mussolini. En Italie. Nazisme, c'était avec Hitler en Allemagne. Tout est tombé. Maintenant, ce qui est resté régné, c'est le communisme. Jusqu'à aujourd'hui. Il y a le communisme. Tout ce que Branham avait dit, ça s'est accompli. Que les femmes devaient quitter leur position pour s'égaler aux hommes. C'est arrivé, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Tout est déjà arrivé. Tout. Sauf la dernière vision. Alors, dans cette dernière vision, il témoigne, il dit que il a entendu une explosion terrible derrière lui. Et quand il s'est retourné, il a vu tous les États-Unis ensemble. Ensemble. Donc, les États-Unis bombardés complètement. C'est la Russie qui doit faire ça. Donc la Russie va bombarder les États-Unis. Ça sera la fin. Et maintenant, regardez ce qui se passe là-bas. Maintenant, c'est Russie et Ukraine. Ukraine. Mais tantôt, Russie menace les Américains. Donc, vous sentez que le fond qui est passé, vous a monté même la bombe que Russie a déjà fabriquée. Moi, je ne confirme pas tout ça parce qu'il y avait une discussion sur cette bombe Satan 2. Une discussion, c'est pas encore confirmé. Mais la Russie se prépare. Mes chers frères, même les gens du monde en parlent. En parlent. Une journaliste disait un jour, il parlait de ce qui se passe en Russie. Il y a un prophète du nom de Branham qui avait parlé de ça, de la Russie, qui devait bombarder les États-Unis. J'avais suivi ça, on avait même projeté ça, je pense. Mais chers frères, quand vous suivez ces informations, les retours de Christ est proche. Le retour de Christ est proche. L'évangile qui devait atteindre toutes les extrémités de la terre, c'est déjà arrivé. Et vous l'avez entendu. Vous l'avez entendu. C'est ce qui vous prépare. En Israël. Israël se prépare sérieusement. C'est suivi de tout le monde. Dans le monde entier, il y a la Russie. Il y a beaucoup de signes. Maintenant, on n'a même pas vraiment le temps de les lire. Maintenant, on le voit. Beaucoup de signes apparaissent, mes chers frères. Beaucoup de signes.
Alors, c'est le moment de se préparer. Amen. Tu sais quoi ça? Maintenant, c'est le temps de se préparer. Il y aura une surprise de jugement. Ceux qui seront surpris, ce ne sont pas les païens. Ce ne sont pas les gens des dénominations. C'est nous qui sommes dans les messages. Quand quelqu'un va rater l'enlèvement, où est le frère? Où est la sœur? On va commencer à chercher les gens. On va pas les retrouver. On va les retrouver. Il y a des gens qu'on va pas retrouver. Ça s'est passé. Alors puis j'étais, il n'est pas là. Alors où se sont partis? Alors vous allez vous rendre déjà trop tard. L'enlèvement s'est déjà produit. Tous ceux qui ne sont pas encore baptisés ici, ils vont se baptiser eux-mêmes là-bas. Ça sera trop tard. Ceux qui ne se répandent pas aujourd'hui, ils vont commencer à se répandre trop tard. Trop tard. Mais chers frères, nous sommes dans un corps très faible. Un corps de péché. C'est vrai. Mais nous avons un détergent qui nous purifie. C'est le sang de Jésus-Christ. La Bible confirme. Si nous péchons et si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle pour nous les pardonner et pour nous les purifier. Amen. C'est pourquoi vous voyez que Dieu nous a conduits dans notre assemblée des îlots d'amener les gens au baptême du Saint-Esprit. L'enlèvement est prêt, c'est vrai. Mais il y a un ticket que nous devons avoir. Le ticket, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est ça le billet du voyage. Ça, c'est billet-là. Vous allez rester. Le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi Dieu nous a autorisé d'enseigner sur ça. On ne sait pas pourquoi Dieu a dit ça. On ne sait pas. Pourquoi toutes ces années, on n'avait jamais prêché ça. Les nôtres sont toujours dans nos réserves là-bas. Jamais. On n'avait jamais prêché ça. Moi, même quand on allait aux conventions, tout ça, les gens disaient, bon, moi j'ai reçu le Saint-Esprit. Bon. Je ne suis pas obsédé. Ça fait toujours ces prédications. Mais qu'est-ce qui a fait que Dieu nous a poussés de le montrer maintenant? Je ne sais pas. Nous avons prêché sur ça. Vous connaissez ce que le Saint-Esprit? C'est pourquoi le Saint-Esprit a été envoyé. Mais la question qui s'est posée partout. Partout dans les milieux du message. Comment quelqu'un peut confirmer dans une prière, confirmer qu'il a reçu le baptême du Saint-Esprit? Il y a beaucoup de commentaires sur ça. Mais qui ne tient pas debout. C'est pourquoi nous vous avons exposé ce que le feu franc à propos de ça.
nous vous avons démontré que ce que le frère Branham, il est tout à dit à vous de prendre ou pas. C'est lui qui prend. C'est bien. C'est lui qui s'abote. Il suit les prédications d'ailleurs. Il s'en prendrait qu'à lui-même. Mais je vous dis, il y a déjà des signes. Mercredi passé, il y a eu des signes ici. Comment la puissance de Dieu est descendue? C'est parce que vous avez les yeux fermés. Vous ne voyez pas ce qui se passe dans l'église. Je vous dis, mercredi, nous avons vécu ce qui s'était passé avec les diacres. C'est vendredi ici. C'est frère Justin. Les frères Baba qui ont assisté. Il y a quelque chose là-bas. Comment la puissance de Dieu est descendue le vendredi aussi? Nous avons appelé cet enfant de Dieu. J'étais avec le pasteur Guimari. Vous sentez que c'était la puissance de Dieu, pasteur. Soyez sérieux. Sinon, tu vas seulement continuer à écouter. Et toi, tu vas rester comme ça. Mercredi. Chaque mercredi. Vous venez à la prière. C'est lui qui fuit la prière. N'aura rien. Venez à la prière. Si vous êtes bloqué à l'école, au service, oui. Si vous avez le temps de venir, venez. Venez. Vous pouvez même après une heure, si vous êtes vous pouvez encore rentrer. C'est ça la préparation. Nous pouvons parler de repentance, confession. Mais moi, je sais. Il faut commencer par la prière. Tu n'as pas une prière fervente. Persévérer dans la prière. Le frère Guimari m'a rappelé une chose là. C'est une vision dans les temps. Il m'a rappelé. Dans les temps, on pouvait se dire, comme nous sommes dimanche, on dit église, aujourd'hui, à minuit, juste. Que toute l'église soit dans la prière. Car vous savez votre compagnon. En famille. Ce que nous faisons. Dieu me présente pour faire. 24 heures. J'ai des yeux. J'étais secoué. Dans chaque maison de frère, il y avait des cris là, des prières partout. Un autre jour, on peut mettre même à 22 heures. Je vous dis que le pasteur est à 22 heures. Il faut me demander à 3h du matin. 3h du matin. Frère, aujourd'hui, à 3h du matin, que chaque pasteur de la famille conduise sa famille et sa famille dans la prière. Et à 3h du matin, si vous sortez dehors, vous allez entendre dans les maisons de famille. Prière. On commence ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on va commencer ça. Léo, tu parles à vivre. À 2h du matin aujourd'hui, du matin, dimanche, on va prier.
quel est le passé, Jean-Pierre? Mais tu peux dire ça quand le pasteur. 22h. À 22h. Mardi. Nous trois journées, on a déjà. Pourquoi vous faites souffrir comme ça? Donc aujourd'hui c'est. 2h. Lundi. Lundi. 22h. 22h. Mardi. Mardi. Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pour commencer. Vous verrez ce que nous avons donné comme résultat. Il ne faut pas beaucoup manger. Nous avions fait une expérience malheureuse avec mon frère Kayumba. On allait au centre humain chez frère Ngori. On allait prier. C'était une prière intense là. Un jour on arrive là-bas, on a besoin de pain, margarine, les œufs, on mange, rassasié complètement. On commence la prière. J'étais à côté des frères. Il a commencé à raconter des histoires. Et puis, on a prié. Mais là, c'est moi aussi. Mais on commence à prier, d'autres choses. Alors, les gens ont commencé à rire là-bas. Nous avons arrêté la prière. Et il y a même une sœur qui disait, mon baba, tout le monde aille, pas pompé. Il y a des sœurs qui disaient, pourquoi? Parce qu'on était rassasiés. Faut pas faire ça. Faut vraiment... La prière, c'est vraiment la clé. C'est vraiment la clé. Que Dieu vous bénisse. Vous avez été là-bas. Inclinons la tête.
Prions. Oui. Pour que Dieu puisse nous conduire. Oui. L'année 2024. Oui. Que ce soit une année pleine de préparation. Une année de préparation. Pour cela, nous voulons vraiment continuer. Nous avons commencé une vie de prière. Prions tous. Pasteur Kayumba Atamaliza Namalou. Papa, Dieu est notre Père, Créateur des cieux et de la terre. Nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu viens de nous enseigner. Il est que tu as placé dans le monde. Il est parti en couvre, mon amour est à côté de moi. Il 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 est à côté de moi. Quand nous marcherons de manière à ce que tu fais, le monde sera étonné de tout ce que tu fais. Sois avec nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le frère Mufuka a nous envoyé quelque chose qui m'a plu. Mon groupe est à Tabernacle des Îlots. Le groupe de Tabernacle des Îlots. Alice Maïbi. Il a dit ceci. Comme on avait appelé Moussome, Nindougou, on est rendu à Bouchina à frère Franck. C'est le frère qui vivait avec le frère Franck. Ni frère Ziclé. C'est le frère Ziclé. Ariandika Ivi. Tu as coutu quand Kamisha Chie. Bandou Bote Baduna Mzima. Le frère du monde entier. Ah, Joël Aranjika Ville. Il a écrit cela. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. C'est avec une profonde tristesse que je dois vous faire une très triste annonce aujourd'hui. Notre Dieu et Seigneur Tout-Puissant a ramené chez lui aujourd'hui notre frère bien-aimé Franck, son fidèle serviteur. S'il vous plaît, laissez-nous tous rester forts dans la foi. Chibot Abanjo Berkwa Makutama Frère Franck. C'est ce frère qui était dans l'assemblée de frères. Van exhorter Chibot et Toubakien Angoubou. Il nous exhorte de demeurer tous avec force dans la foi. Et laissez-les vous préparer. Moi, tu es Christ et m'y préparer. Laissez ce message vous préparer. Que le Seigneur nous aide tous à préparer nos âmes à sa venue prochaine. Amen. Donc, par les toucans, on va qu'est-ce qui dit quoi tout ça? On va fortifier, ne pas rester triste. Bible la Semaïbi. La Bible dit ceci. Excusez-moi. Vous nous oubliez qui donc la Bible. Si tu n'as pas choisi qu'un dernier nénu, verset 37. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Tout-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Que chacun de nous
nous se prépare. Twende na salama ya Bwana. Alors, dans la paix du Seigneur.